sur un bar avec moi. Je fais des vidéos en caméra subjective. Bien plus encore. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. N'hésitez pas à partager. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on filme une Jeep Wrangler. Allez, j'espère que cette vidéo vous plaira. On va voir ce que ce gros monstre va donner. Ah, ça c'est un toit ouvrant. Au complet. Ouvrant, hein. Ouvrant bien, hein. Waouh. Super. Eh ben. Chouette. Dommage, c'est trop froid. Ah oui, hein. T'as vu jusqu'où il s'ouvre? Oui. Jusque au-dessus des places arrière. Merci Martin. Ouais. T'as trois boutons, donc t'es hybride, électrique et e-save. Donc c'est... Quand je suis parti de la maison tout à l'heure, j'ai pesé dessus. Au moins, j'ai gardé toute la batterie. Donc là, on a les deux. On a autant batterie que essence. Ouais. Et là, je vais le mettre hybride. Donc là, il va rouler avec les deux. Oui. OK? Oui. T'as traction avant, propulsion arrière. Donc là, on est à propulsion. Donc, t'as quatre roues motrices. Et t'as quatre roues motrices low. Ça veut dire, exemple, si je tire quelque chose de très lourd, où on est dans la boue totale et on veut s'en sortir, mais avec beaucoup de force, mais peu de vitesse, là, je le mets sur quatre low. Mais et, quatre de roues motrices, et si je veux rouler il y a de la neige ou c'est glissant, je mets les quatre roues motrices et je peux rouler vite, il n'y a aucun souci. Et habituellement, on est toujours à deux roues à propulsion. Comme on est là présentement. C'est l'auto automatique. Play. CarPlay. Waze. Tu l'as déjà? On est parti. Bon, le dos est pas attaché. Ici, là, quand la lumière, quand l'aiguille bouge pas, c'est parce qu'il est électrique. Et en full électrique, ça a combien d'autonomie? 50 km. 50. Et vous avez une caméra de recul là? Oui. Oui, quand tantôt je vais arriver ou quand je vais me stationner, je vais te la montrer. Voilà. L'accélération, c'est assez chouette. C'est cool, hein? 5 heures. En 5 heures, on a une bonne triphasée. Ça recharge un peu moins vite, mais les voitures totalement électriques qui roulent qu'en électrique, en une heure et demie, c'est chargé. Et tandis que nous, vu que c'est une voiture hybride, comme je te l'ai déjà dit, c'est que nous on a de la chance parce que ceux qui commandent des voitures comme celle-là, des nouveaux modèles, ils n'auront pas leur voiture avant 2023. Et puis, t'aimes ça? Ouais.
On est où, hein? Oui, ça! Quand on est parti de notre Fiat, la voiture qu'on avait, à cette voiture-là, on a toute une différence. Et c'est des pneus 4 saisons, donc j'ai pas besoin de mettre des pneus d'hiver. C'est bien. C'est cool, hein? C'est cool. Coûte moins cher. Ville. Ben oui. Ça doit me trouver c'est un bon chemin pour faire. Et est-ce qu'on peut aller sur l'autoroute? Ouais. Tu me dis par où aller? Oh ben. Taper où? Ou alibi, comme ça on pourra se rendre. Oui, se rendre sur l'autoroute. Dado, est-ce que tu peux le faire? Et le bruit que t'entends, Martin, c'est que quand on est à faible vitesse, vu que c'est une voiture hybride et qu'on roule à l'électrique, le bruit que t'entends, c'est un bruit pour avertir les gens qu'il y a une voiture hybride qui arrive dans leur derrière. Oui, oui. C'est obligatoire. Fait que tu dois pas t'en faire, c'est normal. Oui, j'ai déjà été dans des voitures hybrides. Hybride ou full électrique? Full électrique. La totale. Comme la Fiat 500. Des capteurs en avant de la voiture et en arrière de la voiture pour me dire s'il y a des objets et à quelle distance on est d'un objet. En dessous du bas, sont en dessous du bas en arrière. On est un petit peu plus haut. Fait qu'on est assis sur les batteries. Ouais, ouais. Sur ça, en freinant. Oui. Ici le bouton là. Ça régénère un peu plus. Par contre, tu vas t'en rendre compte, là, je vais l'enlever. Regarde bien ce que ça va faire, OK? Ouais. Quand je lâche l'essence, je ralentis presque pas. Mais regarde bien quand je mets ça et je lâche l'essence. On ralentit. Ouais, mais ça recharge. Donc, ça fait en sorte que ça recharge un peu plus. Par contre, regarde, on freine beaucoup plus. Oui. Fait que moi, j'aime pas cette option-là parce que dans le fond, ça recharge, mais tu ralentis tellement que tu as besoin d'énergie pour redécoller. Donc, j'aime moins ça. Surtout avec une grosse voiture comme ça. Ben, tout à fait. C'est ça. Le poids. D'électrique et essence, ça me donne environ une autonomie de 800 km. Oui. Ça me prend 800 km avant de remettre de l'essence. En roulant hybride et essence régulièrement. Ouais. C'est chouette hein, quand on est électrique, c'est peu bruyant. Hein? Ouais. Pour un véhicule aussi lourd, là. Ouais, aussi gros. Clip, on est content. Oui. Comment? Le carré, oui. Ah, oui. C'est vraiment génial. Parce que regarde, tout ce que maman fait sur son jeu, sur son. Oui. Je sais, mais sur son web. Et ça se répercute sur le grand écran que. Devant toi. Ouais. Ça permet d'avoir les messages aussi. Voilà. Et bien.
comme ça, donc il est plus, c'est plus insonorisé. Mais avec le 3 ouvrant, là, ce qu'on fait, là, on est à 130 à peu près. Là, on voit une bonne différence. Le son, on l'entend un peu plus. Ouais. Ouais, ouais. Martin, est-ce que tu aimes la couleur? Oui, la couleur. D'après toi, qui a choisi la couleur? Vincent. Eh oui! Eh oui! Oui. En Canada, c'était ma maman et ici, c'est moi. Exactement. Bingo! Ça ne m'étonne pas de toi. Non. Ok. Moi, je sais que ça ne m'étonne pas de moi. Et si on est à Nouvelle-Annonce, ouais. Je reconnais. Donc, t'es confortable? On est très bien assis. Mais je m'y attendais. Hein. Ouais. 2021, partout. Tu peux passer devant le son de jour, papa, si tu veux. Okay. Moi, je vais. Voiture devant nous. En plus? En plus. GP86. Toi qui aimes bien les voitures, Martin. Ouais, elle est toute propre. Elle est toute propre. Il est servi. T'es servi, hein, cet après-midi. Elle est magnifique. Ouais. Elle est magnifique. Puis, en vidéo, tu vas voir la Jeep et la Porsche. Fais juste peser, il ouvre. Au complet. Juste en arrière. Mais c'est une décapotable en fait. Ouais. C'est génial par contre le tour. Hein? Ouais. Et ici, t'as tous les haut-parleurs. Ils sont tous ici, là. Sur la paroi du centre. Ouais. Lorsque j'arrive ici, là, c'est lumineux. Là. Ouais. Quand on collecte la voiture à la borne, tu vois une lumière clignoter. Et à tour de rôle, quand elle est à recharge, donc jusqu'à ce que les quatre lumières soient pleines, là, la voiture est rechargée au complet. Ouais. Donc quand on est dans la maison, on voit la recharge avec ça. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à m'ajouter sur les réseaux sociaux.